Before we move on, be sure to subscribe and with notifications on so you don't miss any of our videos. Des profils d'ailes, comme des ailes d'avion, et en fait, ils s'orientent au fur et à mesure que le navire roule. Et ils génèrent une force qui s'oppose à ce mouvement de roulis, et ils stabilisent, en quelque sorte, ce mouvement. Lorsque le navire est dans le port, les stabilisateurs sont en position rentrée, car sinon il y aura un problème par rapport à la position du quai. Donc dans le port, en dessous de 6 nœuds, généralement les stabilisateurs sont en position rentrée. By limiting the vibrations of certain parts of the ship, or the effects of rolling, the new giants of the sea, such as the Meraviglia, do all they can to eliminate every annoyance, starting with seasickness. The 80,000-ton ship can finally leave the assembly dock. A total of 6 million hours of work are needed to construct the Meraviglia. Today is the beginning of testing and the start-up of the engines. To begin with, they have to fill the dock where it was assembled to transfer the giant to another part of the site, just a few hundred meters away. An important moment for the ship. On va donc s'assurer que tout le cloisonnement compartimentage est intègre, et puis on va commencer à mettre en service les premiers systèmes de sécurité du navire, les pompes d'assèchement au cas où on aurait une voie d'eau, et puis petit à petit, comme ça, on va commencer à assurer la sécurité ce qu'on appelle la sécurité du navire à flot. Voilà, ça c'est la première étape déjà, c'est quand l'ouvrage métallique se transforme en bateau, quand Archimède commence à faire son travail. Voilà. And there it goes. The ship is floating for the first time and starts to leave the assembly dock. This can only happen when the tidal coefficient is at its highest and the weather conditions are as calm as possible. At this stage, the ship is still an inert giant with no functioning motor. It has to be towed. The liner is not going on a long trip, but it has definitely left its assembly dock for another, which does not have a gantry crane. On transfère le navire vers un bassin d'armement où le navire sera à flot ou pendant plusieurs mois, entre 8 et 12 mois, on va finir tous les aménagements intérieurs. The Meraviglia settles into its new home. Although from the outside it may look ready, inside the workers of the Saint-Nazaire shipyard continue their work day and night. The liner is far from being finished. The 2,500 rooms, the restaurants, cinemas and nightclubs are not yet ready to welcome the first passengers. Thousands of workers and craftsmen labour each day to ensure the all-important deadline is met. Ils sont dans cette phase-là à faire de la logistique, de l'agencement, mais globalement on est sur un volume de 2000 à 2500 personnes, à peu près constant. C'est juste la spécialité qui se relaie au fur et à mesure de l'avancement du projet.
As these numerous workers fulfill their roles simultaneously, the technical teams begin work on a crucial stage of the construction. Tout est électrique, hein, donc il n'y a pas de centrale nucléaire, il n'y a pas de panneaux solaires encore, donc voilà, il faut bien des moteurs diesel pour faire tourner des alternateurs. Donc la première étape importante, c'est de démarrer le cœur du navire, hein, comme le cœur humain, voilà, le cœur du navire qui va produire l'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le jalon de démarrage moteur diesel. Là, on commence à démarrer voilà, les premiers moteurs, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, pour avoir de la production électrique à bord. Si tu n'as pas ça, derrière, tu ne peux pas continuer à avancer. C'est vraiment un des jalons les plus importants de la construction du navire. The computers are turned on. We can now check that the Maravilia reacts perfectly to the detection of a fire, for example. C'est le risque principal à bord, hein. C'est le feu. A fire can break out at any time during the construction phase, but a fire that starts while the ship is at sea can quickly become a catastrophe. Le feu, c'est le principal ennemi sur un navire, aussi bien en construction qu'après en exploitation. Donc les navires sont très cloisonnés par tranches incendies, par ponts. Les réseaux sont autonomes, sont vraiment découplés par tranches. Si jamais on perd une tranche, eh ben on continue à avoir de l'électricité et des servitudes dans les autres tranches du navire. Il y a énormément de redondance. Qui permet de toujours assurer une continuité de service, même s'il y a eu un incident majeur. Il y a de l'isolation partout. Derrière les plafonds, les cloisons, partout, tout est isolé, soit incendie, soit phonique. Mais la quasi-totalité des ponts et des cloisons sont isolés. Noise pollution is one of the major challenges in the construction of new generation cruise liners. In addition to the propellers developed for the Maravilia, which considerably reduce noise pollution compared to other ships in the same category, at the heart of the ship, the insulation work is extensive. Parmi les critères de confort perçus par les passagers, il y a le bruit et les vibrations. C'est extrêmement important. Si le passager a en permanence un brouhaha ou qu'il sent les hélices vibrer, il ne s'y sentira pas à l'aise, il ne pourra pas se reposer. Donc on travaille énormément sur l'acoustique du navire. En mettant soit un système de sol flottant, en isolant les sources de bruit, en mettant de l'isolation phonique un peu partout, pour que le passager se sente, quand il est dans sa cabine, il ne faut pas qu'il entende la cabine d'à côté, ou il ne faut pas qu'il entende un bruit de ventilation permanente. Quand il est au restaurant, il ne faut pas qu'il entende le bruit des moteurs, ni le bruit de cuisine qui est à côté. Un des principaux critères de luxe sur un navire, c'est son silence et son confort. Tests in the fitting out basin are not enough. A real outing at sea is required to properly assess the ship. And so the Maravilia is going to leave the shipyard to face reality. En fin de compte, on va chercher à mettre le navire dans une configuration de croisière en mer nominale. Donc on va aller, par exemple, à la pleine vitesse du navire, dans un état de mer assez classique. Et puis on va passer dans toutes les cabines. Et puis on va mesurer les seuils. Voilà, on va mesurer le bruit qu'il y a dans les cabines. Pas le bruit généré par la parole, hein, mais le bruit généré par les bruits ambiants. Et puis on doit rester en dessous d'un certain seuil. De la même manière, au niveau vibration, on va mettre des capteurs, des petits capteurs piézoélectriques, hein, à différents endroits sur le bateau, voilà, différentes filets de test à différentes allures, et puis on va voir comment le bateau vibre. C'est principalement par l'utilisation de matériaux. Et de, voilà, quand tu as un tuyau qui vibre, on imagine bien que si entre le support et le tuyau, on va mettre une pièce de caoutchouc, une pièce amortissante, bah forcément, ça ne va pas faire de bruit. Voilà. Donc on évite forcément, déjà d'une manière très simple, les contacts métal-métal avec des systèmes de découplage. During these tests at sea, extreme maneuvers are carried out, and the behavior of the ship, its stopping distance, and its turning radius are assessed, even if the ship's intelligence system limits the possibility of going too far in these tests.
Les moteurs, effectivement, on va les pousser pas mal. Hein. On va procéder à des essais qu'on ne fait pas toujours. Hein. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'on a 4 moteurs en service et puis tout d'un coup, on va mettre un arrêt d'urgence sur un moteur. Puis on va voir comment les autres moteurs reprennent la charge. Il y a des systèmes de délestage automatique parce qu'on imagine bien que si les 4 moteurs sont chargés et si on arrête un moteur automatiquement, il peut y avoir un ensemble de problèmes à bord. Donc là, le système va répondre assez rapidement. Il va couper des consommateurs électriques à bord. Il va essayer de réguler la charge. On a aujourd'hui des navires relativement intelligents. On n'est pas comme dans le temps où, avant d'accélérer, on demandait au chef mécanicien de mettre un moteur de plus. Voilà. Là, le système, maintenant, il réagit d'une manière automatique. The Medavilla has reached the final straight. Inside, the finishing touches have been carefully added, all whilst keeping a close eye on the schedule. With 100,000 euros of penalty for each day it is delayed, the Saint-Nazaire shipyards have been watching the clock very, very closely, as they do for the delivery of each liner. Le délai est extrêmement important pour nos armateurs. Il a commencé depuis 6 mois à vendre des croisières sur ce paquebot. Donc il est hors de question pour lui qu'il perde 1, 2 ou 3 semaines d'exploitation. Date de livraison, c'est sacré et on doit s'y tenir. À chaque fois qu'on construit une nouvelle série de navires, on a l'impression qu'on a fait le plus gros et qu'on ne fera jamais plus gros. Et à chaque fois, on a des clients qui nous poussent à faire plus, qui nous poussent à faire plus grand, à faire encore plus bluffant pour les passagers. On a pris des paris industriels, des paris technologiques, et qu'on voit que ça fonctionne, et ben on est super content. The Medavilla is not yet out of the shipyards, and yet already a new series of liners is under construction. Following its lead, and thanks to the numerous studies that were carried out to make this groundbreaking cruise liner, the new ships built on the shipyard will follow the path of innovation and environmental protection. C'est vrai que les navires, on les veut de plus en plus économiques, de plus en plus écologiques, de plus en plus connectés. Les deux mots-clés pour moi, ça va être la couleur verte, hein, voilà, des navires plus verts, voilà, pourquoi pas des paquebots à voile. Je pense que c'est quelque chose qui va être important pour les passagers dans les années qui vont venir, y compris dans les zones géographiques dans lesquelles les navires vont devoir évoluer, voilà, avec des exigences de plus en plus fortes au niveau environnemental. Puis c'est comme à la maison, voilà, on est aujourd'hui des générations qui avons l'habitude d'être connectées, donc le navire devrait être connecté. Voilà. This ever-present desire to innovate, as seen with the Medavilla, will lead to bigger and bigger ships being built in the future. Less environmental waste, widespread electric propulsion, and ultimately no more diesel engine at the very heart of the liner, even more efficient water management, solar panels that are able to operate an entire ship. The challenges to come over the next few decades have definitely not finished transforming these so-called giants of the sea.